Salut les amis, c'est Samuel, de retour pour une nouvelle statue de chez Prime One. Je vous l'avais dit lors de la review de Superman qu'on enchaînerait sur la magnifique Alita Battle Angel Premium Masterline Alita Berserker. C'est la version de luxe que j'ai choisie parce qu'il y avait énormément d'items et bien supplémentaires sur la version de luxe, dont le HS avec les traces de sang sous les yeux qui pour moi était vraiment le plus beau des deux HS. Donc il fallait forcément que je prenne la version de luxe. Le visuel, on va discuter de cette statue. Le proto envoyé du lourd, j'espère qu'on est vraiment sur le très haut de gamme par rapport à ce que peut proposer Prime One Studio et qu'on n'est pas sur un downgrade par rapport à cette magnifique statue qui a été présentée sur les salons, dans le shop de Prime One également, donc en Chine, etc. Donc j'espère vraiment avoir quelque chose de qualité. Le visuel, le proto, justement, eh bien on l'a là sur la boîte. On a la jolie Alita dans sa tenue, donc Berserker, le titre du film Prime One Studio, et c'est la classification Premium Masterline. Alors la Premium Masterline, ce sont des statues au format 1/4. Sur le côté, on retrouve eh bien, un visuel avec le titre du film, les warnings habituels, la 20th Century Fox, le QR code. Sur l'arrière, regardez-moi cette beauté, la statue justement qui est représentée, c'est le proto. J'espère, je vous dis vraiment, avoir la même chose au niveau du produit final, parce que ce serait vraiment une très grosse déception pour moi d'avoir quelque chose en dessous, surtout au niveau eh bien, du visage de Alita. Prime One Studio, donc vraiment un joli visuel. La boîte est juste mais sublime. Même chose sur le côté. Sur le dessus, on reprend, on a le titre du film. Ici, on a donc la PMABA et c'est la 01DX. Donc, c'est la première statue de la licence Alita. Prime avait dit qu'ils enchaîneraient sur d'autres personnages. Au final, on n'a strictement rien vu. Donc, je pense que ce sera peut-être la seule et unique statue de cette licence chez Prime. La version Deluxe est tirée à 1200 exemplaires. Donc, c'est énorme pour un tirage, surtout d'une Deluxe. Donc, 1200 et la mienne est la numéro 29. Donc, dans les débuts du tirage, logiquement, qui dit début dit une belle application de peinture et quelque chose de top. Parce que si la 29 est foirée, j'ose pas imaginer la 1199. C'est tout pour la boîte. On passe tout de suite eh bien, au contenu. Et le contenu, il y a beaucoup, mais alors beaucoup de choses. Voilà le contenu de la boîte, et quand je vous disais qu'il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on a le socle, il y a énormément d'éléments sur les deux niveaux, là il y a plein de bras, plein de d'armes, je vois les deux têtes d'Alita là-bas, on va découvrir tout ça, je vois la superbe épée avec la lame, la sulfateuse qui est juste ici, Exit par contre, eh bien le beau papier de soie qui emballe généralement tous les éléments, on est sur du papier sulfurisé pratiquement partout, mis à part les têtes qui sont dans du papier de soie. Le reste, on est vraiment sur un packaging assez lambda par rapport à ce que peut faire Prime. On a eu l'habitude d'avoir du produit beaucoup plus luxueux. Ici, c'est pas le cas. Eh bien, écoutez, on passe tout de suite au montage. Alors, à l'intérieur de la boîte, j'ai énormément de choses. J'ai forcément le manuel d'instruction qui m'explique où sont toutes les pièces, tous les éléments. Donc, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 éléments, dont des bras alternatifs, etc. Les looks de la statue. Sur l'arrière, on a toutes les étapes de montage. Donc ça, je vais le garder sous le coude puisqu'il y a un ordre pour monter les éléments. À l'intérieur, il y a également le catalogue 2019 été. Donc, c'est un vieux catalogue, donc qui reprend toutes les statues à venir de chez Prime. C'est plutôt qualitatif au niveau du manuel et du guide et des illustrations. C'est toujours du... Voilà, ça donne envie, mais vraiment envie d'acheter. Donc, il y en a un. Et puis, il y a un calendrier 2020. Donc, c'est pas un calendrier 2019, c'est déjà ça. Donc, calendrier 2020 que je vais vous feuilleter rapidos. Hop, alors, voilà. Le calendrier, on a Colossus, pardon. Donc, First Colossus. On a quoi d'autre de beau? Allez, je... Justice League Superman pour février, Berserk Guts pour mars, Bumblebee, d'accord, on a du Dante Devil May Cry, le Bane, le Ryu de Street Fighter V, on a un magnifique Predator, quelle superbe statue, des Minions, la magnifique Red Sonja qui est juste mais monstrueuse, même chose du Akuma de Street Fighter, et le Batman Metal qui est lui un truc de sauvage mental. Et puis sur l'arrière, tous les visuels. Donc ça, c'est toujours fait toujours plaisir d'avoir un petit calendrier. On passe tout de suite eh bien, au montage. Le montage, comme je vous l'ai dit, comme toujours, on commence par la base. La base, elle est là. Elle est immense. Pour du 1/4, c'est vraiment une grande base. Très légère. Honnêtement, c'est creux. C'est très léger. Je vais la poser. On passe sur une vue close-up comme d'hab pour pouvoir voir de plus près les détails. C'est parti.
Voilà les amis, la base de Alita. Alors, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. C'est un petit peu fouillis au niveau de la base. J'avais même l'impression que c'était cassé ici. J'avais l'impression que j'avais un morceau de résine qui était pété, mais non. À mon avis, ça va être un endroit où venir se pluguer quelque chose. Parce qu'on avait vraiment l'impression que cet endroit-là était cassé. Donc, on a le logo Alita ici devant. Plein de petits tuyaux. Les tuyaux sont plutôt joliment faits, en espèce de cuivre. Donc, la base... avec un rocher, il y a une espèce de partie ici où il y a du sang bleu d'une bestiole qui aurait explosé, enfin d'un des combattants, hein, qu'elle aurait zigouillé et le liquide aurait coulé. Donc ça, c'est plutôt bien géré également. Il y a deux piles à mettre, donc je les ai mis ici à l'intérieur. Il y a un interrupteur. Alors par contre, je vous montre, je ne sais même pas si vous le verrez, mais lorsqu'on appuie, il y a des light-up, mais alors il faut se mettre dans le noir total, hein, parce que... je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ça n'allume pas du tout. Pourtant, les piles sont chargées au max. Donc, c'est des piles rechargeables qui sont chargées au maximum. Et le light-up ou pas de light-up, pour moi, c'est kiff-kiff. Aucune lumière qui sort de ce machin-là. On a après des petits murets, des petits tuyaux qui remontent. C'est un petit peu avec des barres de fer qui ressortent et autres. Ouais, c'est, je vous dis, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. On va assembler les autres éléments. Alors, sur le dessous, on a quoi ? On a ben, Alita Battle Angel, Premium Masterline Alita Berserker, et c'est la numéro 29, donc sur 1200 pour la version Deluxe. Ouais, c'est... voilà, je fais un petit tour rapidos du propriétaire. C'est pas moche, c'est bien géré. Par contre, je vous dis, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Alors, je prends le manuel. Après avoir installé cette base, on a quoi d'autre à venir mettre dedans? On a un petit morceau de rocher qui vient se mettre eh bien, par-dessus justement ces piles. Ok. Ensuite, on a des petits câbles un petit peu à gauche, à droite à mettre. Oh la vache, il y a pas mal d'assemblage. Eh bien, écoutez, on continue, on assemble tout ça. Alors, il y a effectivement des éléments à assembler. J'ai une partie ici. Alors, que fait cette partie? Il y a un PEX lumineux également là, avec un PEX de... ok, à mon avis, c'est peut-être pour donner de la lumière sur cette partie ici. Donc, hop. Alors, je plug. Voilà. On a toujours accès au bouton. Ouais, c'est toujours aussi faible. Là, en plus, j'ai un espèce de faux contact. Il faudra bien la mettre, sinon ça ne s'illumine pas. Ouais, je vous assure que le light-up, les amis, sert strictement à rien. Oh la vache. Et puis, je vous dis, il y a un faux contact, donc il faut vraiment bien le mettre, sinon le contact se fait même pas. Ah, si, il faut... ouais, c'est un peu la cata. Le contact ici, je ne sais pas si vous le verrez avec la lumière, mais vous voyez, le contact, si je bouge, ça ne fait pas contact du tout, donc il faut vraiment le relever un petit peu. Oh, ça commence déjà mal. Ça commence déjà mal. Au niveau... oh là là, regardez, ça ne tient pas. Il faut vraiment trouver le sens, et pour peu que la statue va bouger un petit peu ou quoi, le contact ne se fera même pas. Ouais. Ouais, de toute façon, le light-up de vous à moi, allumé ou éteint, totalement inexistant, ça ne lume vraiment pas du tout. Qu'est-ce qu'on doit mettre après? Il y a des petits morceaux de tuyaux à venir mettre, donc j'ai effectivement des petits morceaux de tuyaux. Alors, je ne sais même pas, c'est mal expliqué. Dans celui-ci, ok, voilà. Ouais, si on veut. Si on veut, si on veut. Alors, comment tu mets ça? Voilà, comme ça, ok. Et puis l'autre, c'est un double tuyau. Pas facile. Le petit tuyau qui est là, tu viens mettre ça là-dedans. Ok, jaune noir. Donc ça, tu viendrais pluguer ça ici dedans. Oh là là. Not easy. Alors, hop. Ça ici dedans, c'est ok. Et puis celui-ci, plugué dedans. Comme ça, ok, donc pour que les petits câbles ici donnent ce style là. Après, eh bien, on emboîte la jolie Alita. Ok, donc après on met le body d'Alita dessus. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai une pièce comme ça. Ok, c'est une partie de la grosse sulfateuse. Ok, bon, on le met de côté pour le moment. Le body d'Alita, allez, on recule un petit peu. Alors le body, le voilà. Bon, ma foi, rien de bien extraordinaire puisque de toute façon... c'est tout en résine. Par contre, l'imitation cuir est super bien gérée. Un petit peu comme la Catwoman que j'avais fait en review Arkham. Donc là, par contre, c'est que tout noir. Tout est noir. Les bottes sont noires. Les chaussures sont noires. Tout est vraiment, vraiment noir. On va voir les bras après détaillés par la suite puisque tout va s'emboîter sur les bras, sur le côté. Mais la gestion du cuir, en tout cas, est bien faite. Et je pensais même que la statue serait en mixed media, que la statue serait avec du cuir. Et non, c'est tout en résine. Mais l'imitation est plutôt pas mal gérée. Alors, elle se met ici dessus. Est-ce que ça s'emboîte bien? Oui, ça s'emboîte plutôt pas mal. Donc, au niveau emboîtement, c'est comme ça que ça va apparaître.
On va voir comment la tête s'oriente. Logiquement, le logo devrait être devant. Alita, et le logo est juste ici, donc ça devrait se mettre dans cette position-là. Mais on va découvrir la suite ensemble. Alors, la suite, une fois qu'on a mis ça, il nous dit de mettre l'énorme gargouille. Enfin, gargouille, on s'est compris, c'est l'énorme robot. Donc, hop, pareil, je vous fais un petit visuel. Ça, c'est géré de main de maître. Le paint est propre, les parties un petit peu oxydées avec imitation sang des robots est super bien géré. Ça, c'est super top. Hein. Donc, la partie avec la tête arrachée, ça, c'est propre de chez propre, le sang bleu et autres. Cette partie-là, elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Pour le moment, je vous parlerai, hein, quand ce sera les versions de luxe, les éléments supplémentaires. Là, on est toujours sur la version régulière. Ça, c'est sur la version régulière. C'est ce qui va compléter le socle. On va le poser dessus tout de suite. Alors, ça... Si je ne dis pas de bêtises, au vu de l'emplacement du PEGS, je dirais bien que ça va là. Et en plus, c'est aimanté, donc zéro souci, ça vient s'emboîter comme ceci. Je descends un peu la cam, voilà. Donc on a cette partie qui vient s'emboîter juste là. Ensuite, on a quoi d'autre? On part sur eh bien, le bras justement de ce robot. Oh la vache, c'est propre aussi. Voilà. On a le bras, gestion de dingue également. Le paint est super propre. L'effet oxydé est vraiment bien géré. Non, là, franchement, c'est du beau. Vraiment top. Alors, ça vient se mettre où? À mon avis, ça vient se mettre ici. Mais comment? Ok, il y a un sens. Donc, main ouverte comme ça. Ok, donc c'est main ouverte comme ça et on doit savoir venir le mettre. Ok, c'est aimanté également. Ouais, c'est aimanté aussi. Et donc on a le bras qui vient retomber sur le socle comme cela. Voilà. Donc on a le bras qui vient retomber complètement désarticulé, explosé. Waouh, le socle est beau. Au final, quand on complète, c'est pas un amas de n'importe quoi. Oui, il y a des bricolions. Oui, il y a des parties avec des câbles qui dépassent et autres. Son petit pied sur le caillou qui est là. Mais ça se complète et on comprend en fait que c'est une scène de bataille où elle vient zigouiller le robot avec le bras qui retombe, le sang qui a giclé. Ouais, non, il se complète bien. Je commence à comprendre le sens du socle là. On a vraiment quelque chose qui est plutôt joliment fait. On continue. Vient ensuite eh bien, l'arme du père, donc l'arme du chasseur. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Rien d'autre à dire au niveau gestion ou quoi que ce soit. C'est propre. L'arme est nickel. C'est bien géré. C'est bien peint. On a l'impression que c'est du cuir au niveau du strap ici. Ouais, c'est propre. Hein. C'est propre de chez propre. Alors, ça se met où? Ça doit se mettre, à mon avis, ici. Je vois un pegs. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y a une partie où ça vient poser? Je regarde, je me mets devant en même temps, excusez-moi. Est-ce que ça vient? Non, ça vient juste poser sur le socle derrière. D'accord, juste comme ça. Ok, c'est nickel. Waouh, il y a des détails partout. Hein. Alors, on a mis l'arme. Et bien après, on vient mettre les têtes de notre ami Alita. Allez, on découvre les têtes ensemble. Première tête, alors hop, tête régulière. Ouais, c'est propre. Bon, elle a les yeux qui sont un petit peu ternes pour moi sur le visage régulier. Par rapport au proto, je vois pas de downgrade. Les cheveux sont pareils, le visage m'a l'air similaire. J'ai le petit visuel qui est juste là en face de moi. Hein. J'ai le visuel du proto qui est là et c'est plutôt joli. Je vous montre dans le visuel également ici, vous puissiez la voir. Voilà. Donc au niveau du rendu de la Alita, eh ben c'est propre. Hein. Le paint déborde pas, les cheveux sont super propres, les yeux sont magnifiques, elle ne louche pas, donc ça c'est nickel, je peux vous l'approcher de plus près. La résine transparente est juste sublime, les détails sur les sourcils sont vraiment magnifiques, donc les yeux aussi, les cils, les lèvres, non, Alita est vraiment très belle, vraiment très belle. Bon, c'est de la statue résine, il ne faut pas comparer avec ce que fait Queen Studio et du silicone, hein, les amis, il faut quand même rester terre à terre, ça reste de la résine, les cheveux sont super bien gérés aussi. Non, je trouve que ça en jette. C'est plutôt pas mal. C'est pas ma préférée. Je préfère celle avec les traces de sang sous les yeux. On va la découvrir juste après. Puisque sur le visuel, c'est celle que je préférais. On verra si ici en vrai, c'est également la même chose. Alors, hop. Est-ce qu'elle se met bien? Elle se met plutôt bien.
Voilà, ensuite on a énormément de bras. Alors là, c'est les possibilités de bras sont juste dingues. On a des bras dans tous les sens. Je crois que je dois avoir trois bras droits et plusieurs bras gauche également. On va découvrir toutes les possibilités. Donc on va faire une première version classique, régulière, avec les différents bras. Alors justement, Prime nous met bien sur le manuel toutes les parties des X. Donc ça, je peux vous montrer. Hein. Hop, on va se faire un petit visuel. Voilà, ici on a toutes les parties DX. Donc DX, on a la tête supplémentaire, on a également ce bras sur l'épaule, CDX, le bras tendu avec l'épée, CDX, le bras avec l'espèce de colonne vertébrale, CDX également, le bras qui va tenir la sulfateuse, CDX aussi, la sulfateuse, CDX aussi. Autant dire que tout est DX, hein. Tout est DX. Alors, je vais faire une version régulière pour vous montrer ce qu'il y a en version normale. Comme ça, au moins, vous verrez par rapport à ce que vous allez acheter, ce que donne une version régulière et normale. Donc, on part sur une version régulière. La régulière, on a le bras. Donc, ça, c'est régulière. Donc, l'épée, gestion de dingue. Hein. Le bras, je vais vous montrer de près parce que ça vaut vraiment la peine, mais vraiment la peine d'être vu. Je vous montre. Regardez. La gestion de la peau, magnifique. Et la gestion de l'électronique du bras, les membranes, etc. ou autre, le paint est juste fabuleux. La main, regardez l'épée, les détails qu'il y a dessus. Tension, c'est hyper piquant. Elle est en métal, donc c'est du métal la lame. Donc ça, c'est nickel. Diecast, sublime. Mais les détails sont juste sublimes. Là, on va faire une version régulière. Donc ça, c'est régulière. Avec l'épée, le long du bras, comme ça, avec le long du corps. Là, on est sur du régulier. Et puis, je pense que si je dis pas de bêtises, ce bras-là est régulier aussi. Alors, hop, le même. Ça, c'est l'autre bras. Voilà, texture de la peau magnifique également. Il y a une partie qu'on va venir emboîter là, parce qu'on peut mettre plusieurs possibilités. Hop, alors. Je cherche le sens. Hop, voilà. Et donc, pour faire du régulier, qu'est-ce que l'on a? Je pense qu'on a un bras classique qui est celui-ci. Ok, je comprends mieux quelque chose, je comprends mieux. En fait, le bras classique vient attraper l'arme qui est ici. Donc, enfin, on fait ça. Ben non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire on peut attraper l'arme. Mais en fait, rien à voir. Je regarde. Non, non, je pensais que l'arme allait pouvoir se mettre dans la main. Mais non, la main reste comme ça. Donc là, on est sur la version régulière de la statue. Vous avez la lame dans une main et à la main relâchée de l'autre côté. Donc là, totalement régulière. Donc là, vous avez la version classique sans les items supplémentaires. Au niveau de tout ce qui est DX maintenant, je vais vous montrer les versions DX, tout ce que l'on peut exposer pour avoir la version de luxe que propose Prime One. Donc version régulière, on l'a vu, ça en jette quand même, c'est plutôt badass. On part sur de l'exclu. Alors, exclu... C'est parti. Deuxième tête. Eh bien, deuxième tête. Oh mon Dieu, là, je suis amoureux. Voilà, c'est comme ça que je vais l'exposer. De toute façon, j'ai pris la DX vraiment pour cette tête-là. Je vous montre que vous puissiez voir. Voilà. L'étage de sang, battle, quand elle est dans le bar. Seule scène où on voit 37 secondes, cet étage de sang. Mais c'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux. Regardez-moi la brillance en plus du sang qu'ils ont mis sous les yeux. La beauté, l'air vraiment en colère de Alita, avec le froncement de sourcils. Je vous montre de très près. Ah, elle est sublime. Elle est sublime. Moi, c'est vraiment comme ça que je vais l'exposer. Avec la sulfateuse, je crois, dans un bras, avec l'épée dans l'autre. Je sais pas, mais je vais la faire en super, super guerrière. Même chose les cheveux. Nickel. Rien à dire. Le paint est monstrueux. La résine transparente est juste sublime au niveau de ce qui a été utilisé. Toujours coulé dans la chair, dans la couleur chair. Donc Prime a fait un travail de dingue, de dingue. Moi, celle-là, hop, elle va aller ailleurs parce que c'est comme ça que je veux l'exposer. Avec cette tête de ouf, guerrière de malade. Ça, on enlève du cou et on enlève l'autre bras aussi. Hop, et je vais vous montrer donc les versions de luxe. Alors, de luxe, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? On peut retirer cette partie-là. Voilà. Et on peut y mettre la première partie de luxe. Qui est la grosse membrane qui est ici. Ça, pouf, même chose. J'ai un peu de mal à garder mon enthousiasme, mais là, je suis comme un gosse. Hein. La colonne vertébrale complètement arrachée sur le bras.
J'hésite à mettre ça ou la sulfateuse, je sais pas, mais en fait, il y a tellement de possibilités que c'est dingue. Regardez le sang qui a coulé bleu. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Alors, hop. Voilà. Première possibilité. Ça, c'est du DX. Ça, c'est du DX, les amis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de beau? Je regarde. On peut mettre, eh bien, soit le bras tendu, comme ça. Alors, je cherche l'orientation. Voilà. Bras tendu, avec la colonne vertébrale. C'est une dinguerie. Mais vraiment, regardez-moi ça. Cette alita de dingue. Possibilité également, colonne vertébrale. Et puis, attendez, parce qu'il y a des bras, je vous dis, mais partout. Ça, c'est encore une pose encore plus badass. Hop. Oh là là, toutes les possibilités. Il en faudrait plusieurs. Épée sur l'épaule. Truc de dingue aussi. Truc de dingue. Et colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Donc, on a trois bras. Donc, épaule, bras tendu, bras le long du corps pour la version régulière. Ok. Après, je peux mettre également changer ce bras de l'autre côté. Attendez, je cherche les autres. Voilà. Alors, on a ce bras-là. Donc, si on veut exposer après, on peut retirer celui-ci. Je le pose là. On peut prendre celui-là. DX aussi. Quand je vous dis que c'est la DX qu'il faut, c'est juste logique, hein. Donc là, on peut y mettre ce monstre-là. Alors ce monstre-là, sulfateuse de dingue. Sulfateuse de dingue. Bleutée sur les bords. Comme si elle avait été arrachée d'un robot. Ouais, c'est compliqué de savoir ce qu'on va mettre parce que. Parce qu'il y en a vraiment, mais vraiment, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup trop de possibilités. C'est un truc de dingue. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises, ça vient se pluguer ici dedans. Ok, c'est super. L'aimant est super fort. Donc vous voyez, ça vient s'aimanter. Aucun problème également. Oh là là. Oh la vache, la guerrière de malade mental. La guerrière de ouf. Colonne vertébrale, sulfateuse, bras tendu, pas bras tendu. On fait comment là? On se débrouille comment pour gérer ce truc de dingue? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut gérer autant de possibilités avec cette statue de ouf. Faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez la mettre comme ça, bras après, vous pouvez mettre bras tendu, si vous voulez. Voilà, version bras tendu. Ça claque de ouf aussi. On peut la mettre réversion avec le bras régulier. Bras le long du corps. Comme ça. Avec la sulfateuse ou avec la colonne vertébrale. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment l'exposer, tellement qu'il y a de possibilités. Bon, le light-up, c'est de la merde. Ça, je le répète parce que ça n'allume rien du tout. J'essaierai dans la pénombre tout à l'heure pour vous montrer, mais je vous assure que ça n'allume strictement rien. Ouais, cette tête-là est juste somptueuse. Juste somptueuse. Je vais vous faire un petit visuel de plus près pour vous montrer un petit peu de haut en bas ce que ça donne parce que là c'est un truc de sou, c'est un truc de fou, un truc de fou. Je suis mais emballé, la Prime, ils ont fait du très 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 haut Prime, hein, franchement. Allez, je vous montre de tout le plus près. Voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Regardez-moi ce visage de dingue, les bras, je descends un petit peu en même temps pour vous montrer. Oh là là, le socle. Avec Alita, l'inscription. Non, c'est dingue. C'est dingue, regardez ça. Toute l'architecture du socle. C'était fouillé au départ et au fur et à mesure que j'ai assemblé les éléments, j'ai trouvé que tout avait une cohérence et c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Regardez la sulfateuse. Quel truc de fou aussi, ça. Et puis Alita, les bras. Les bras robotiques d'Alita sont juste sublimes. Non, vraiment, je vais vous montrer l'autre. L'épée, oups, ça a bougé un petit peu, excusez-moi. L'épée, ouais, non, non, ils ont fait du grand art, du grand Prime One. Ouais, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je vais essayer de zoomer également sur la tête d'Alita. Voilà, je vous laisse admirer le sculpte. De dingue qu'ils ont fait. Ouais, franchement, elle est belle. Elle est vraiment très très belle.
Je descends un petit peu également encore, puissiez voir les détails. Ouais, non, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien géré. Statue à avoir. Je vous montre l'autre HS, on passe sur l'autre visuel. Voilà, l'autre tête. Pas ma préférée, je vous dis, le visage est un peu neutre. Je préfère vraiment la version guerrière, mais elle est très belle également. Très belle gestion aussi, les grands yeux et hauts d'Alita. Non, c'est propre aussi. Hein. Là, c'est très propre également. Et puis, toutes les possibilités qu'on peut faire avec toutes les armes, tous les bras. Je vais vous montrer le bras sur l'épaule, je vais remettre la colonne vertébrale, je vous montre tout de suite. Voilà, je vous montre également, on va redescendre, que vous puissiez voir le travail de dingue effectué sur la colonne vertébrale qui est juste ici. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà, regardez-moi ça, ce truc de fou. Ouais, non, c'est... Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment géré de dingue. Le socle également. Avec l'arme du papa. Et je vous dis le light-up, les amis, c'est un truc de... Le light-up, c'est du foutage de gueule. Regardez, je vais essayer de vous remontrer. Oh, ouh, mon Dieu, tout doucement. Oh, c'est éteint. Mais ça ne permet pas d'allumer la statue. Je vais justement éteindre les lampes. On va regarder ce que ça donne la statue dans la pénombre. Voir s'il y a quand même une illumination ou pas. On va faire le test. Voilà, on reteste. Le petit bouton est juste là. Ouais, ben, c'est ce que je vous dis. Hein. Alors, le light... Pas de light, ça aurait été pareil. Ça ne sert strictement à rien. C'est pas ça qui... Je pensais que ça allait illuminer la statue par le bas, que ça allait donner un relief dessus, mais ça ne peut strictement rien donner. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est impossible, là ça ne sert strictement à rien. Light up, zéro. Voilà les amis, conclusion sur cette Alita. Pff, ben vous l'avez vu tout au long de la vidéo, une tuerie stratosphérique. Une des plus belles statues qu'a fait Prime aujourd'hui. Moi je suis vraiment, mais alors vraiment sous le charme. Tout est bien géré, j'ai mal commencé la vidéo avec le socle en me disant c'est un petit peu fouillis, c'est quoi ce bordel, le light up, bon ça reste un foirage total, ça ne s'illumine pas du tout. J'ai commencé à me dire putain c'est vraiment le bordel, il y a des gravats, il y a ci, il y a là, et au fur et à mesure que j'ai assemblé les pièces, je me suis dit ah ouais c'est quand même pas mal, le gros robot avec le bras qui tombe, sublime, les parties architecture des tuyaux, magnifique et bien géré aussi, la petite partie du petit rocher qui est là, eh bien, me donne un petit faux contact. Il faut vraiment que je le mette dans le bon sens pour avoir la lumière qui s'illumine. Mais je vous dis, de un, la lumière en plus est avec des piles. Et moi, j'aime pas les trucs qu'il faut appuyer sur des boutons. J'aime bien les trucs avec une prise d'alimentation où on met sur la domotique et j'allume et ça s'illumine. Ici, il n'y a pas possibilité de le faire puisqu'il faut mettre des piles et un bouton. Donc ça, je n'utiliserai pas du tout le light-up. Et puis, comme je vous l'ai dit, de toute façon, au vu de la gueule du light-up, ça sert strictement à rien. Par contre, version deluxe obligatoire, les amis. Par contre, la version deluxe était un petit peu plus chère, 300$ d'écart si je dis pas de bêtises, mais on en a pour son argent. Honnêtement, au niveau de la deluxe, c'est pas juste un item qui fait un prix de malade. Ici, on a pas mal de choses. Je les répète, on a le bras qui est ici avec la colonne vertébrale. On a ensuite, eh bien, le bras que j'ai mis justement sur Alita avec l'épée sur l'épaule. On a l'énorme sulfateuse en plus qu'on n'a pas sur la version régulière. Et puis, on a le bras tendu, si je ne dis pas de bêtises, qui doit être celui-ci que l'on met et elle tend... Non, c'est celui-là, pardon. Celui-là où elle tend l'épée bras droit. Donc, je vous montre également. Hein, ça peut toujours être cool de le revoir aussi. Hop, on retire celui-ci. Et on a le bras... Allez, hop, qui est ici. Voilà, bras tendu avec l'épée... Tuerie. Et forcément, j'allais oublier, le deuxième HS supplémentaire avec les traces de sang guerrière qu'elle a sous les yeux. Cette scène, c'est très peu dans le film, c'est juste quelques secondes pendant la bataille dans le bar, lorsque le petit chien se fait tuer, mais c'est toute la badassitude de Alita. C'est vraiment un truc de dingue. Statue 2000% recommandée, mon coup de cœur de l'année. Bon, elle vient de commencer, mais en tout cas, mon coup de cœur chez Prime One, c'est pour moi la plus belle statue que j'ai de Prime One. J'en ai eu beaucoup, hein, 22 statues Prime One au total, et là, c'est vraiment la première où je suis emballé. Merci Prime One pour celle-là, ça efface complètement eh bien, le petit fiasco de mon Superman juste avant. Celle-ci, je ne peux vraiment que vous la recommander. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment vous l'exposeriez, vous, avec quelle tête? Est-ce que vous l'exposeriez avec la tête régulière? Donc, celle-ci. Je trouve très jolie, mais moins badass que celle-ci. Est-ce que vous mettriez avec bras tendu, épée sur l'épaule, l'épée en version régulière vers le bas? Est-ce que vous mettriez la colonne vertébrale, plutôt la sulfateuse? Dites-moi quel genre de combinaison vous trouvez la plus jolie, tellement qu'il y en a. C'est juste un truc de dingue. On peut vraiment switcher comme on veut et avoir
plusieurs statuts. C'est ça l'avantage chez Prime, quand il y a des versions de luxe ou autres, c'est de pouvoir eh bien, innover sa statue, la changer de position. Une fois, je peux la mettre bras tendu, bras sur l'épaule, le bras, l'épée vers le bas. Je peux mettre la colonne, je peux mettre la sulfateuse, je peux changer comme je veux, régulière, pas régulière. On fait ce qu'on a envie, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment comme un gosse à Noël. Elle n'avait pas de retard en plus, elle est sortie assez rapidement. Je pense qu'on l'attendait vers février-mars et je viens déjà de la recevoir, donc elle était dans les temps au niveau de la sortie. Donc Prime peut sortir des statues très vite et de très très bonne qualité. Franchement, foncez les amis. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker avec un gros pouce. Tac, 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 vous faites exploser le truc de pouce. Si vous aimez la chaîne également, abonnez-vous un maximum et faites-moi exploser la barre d'abonnement. On va se retrouver les amis bientôt pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Tous les deux jours, j'essaye de vous diffuser une vidéo pour laisser le temps aux personnes eh bien, de voir les vidéos au fur et à mesure hein, et pas trop sortir de vidéos et après eh bien, vous engouffrer et que vous n'ayez pas le temps de tout voir. Donc tous les deux jours, j'essaye de vous sortir une vidéo sur notre passion commune. Je vais vous laisser place au visuel 360 degrés de la statue. Je vais la mettre sur le socle tournant et vous faire des visuels de près avec la statue qui tourne, que vous voyez un petit peu tous les angles de cette magnifique réalisation. Merci Prime One et merci à vous les amis d'avoir suivi comme d'habitude. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Mais ça, mon Dieu, tu ris. We'll be right back.